bien, bonjour à tous, on est à nouveau ici. Ça passe vite le temps. Salut mon JD. Salut mon Jacques, comment vas-tu? T'as pas été chez le coiffeur? Non, pas encore. Pourquoi ça ne serait tardé. Tu sais qu'il paraît que ça va augmenter de 2 euros. Hein, oui, mais il faut bien quand même... Pour les frais. Oui, pour les frais. Alors, j'espère que mes chers auditeurs des RCV, vous êtes en forme. Aujourd'hui, on a un invité, un mec qui était chez nous il n'y a pas très longtemps, qui devait venir pour 15 jours. Il est venu une semaine. Ah bon? Il n'est jamais redescendu. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il est... Mais de toute façon, je pense qu'il va redescendre après les vacances. Et on aura la joie et l'honneur de pouvoir le recevoir à nouveau. Salut Franck Villain, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je suis quand même redescendu, mais pour venir récupérer le matériel et les musiciens. Je sais. Mais je t'avais dit de ne pas remonter. C'est vrai. Vous voulez m'écouter? C'est vrai, mais si j'étais pas remonté, j'aurais été chez toi, puis j'y serais encore, là. Ouais, bah alors t'as bien fait de redescendre. <T'es bien. rire> Qu'est-ce que je veux dire? Ah, mais ça commence toi, bien. Bah oui, surtout qu'on était 5, alors bonjour à la cave. Ouais. Hein. Il a un avantage. Bon, on parlera de cave et de bouffe après, parce que avec Franck, c'est quand même une particularité. Ça c'est vrai. Même avec les titres de ces morceaux. Hein. Oui, on parle bouffe en même temps. Alors, je vous signale, mes chers auditeurs, si vous voulez voir cette émission entre les qui l'écoutent en audio sur les antennes, si vous voulez la voir en vidéo, vous allez sur le site Jacques Arnoux Accordéon Passion. Et là, vous avez la chance de, premièrement, de voir la tête de JD. Et ensuite, d'aller sur voir les vidéos en direct. Et vous pourrez voir toutes ces émissions qu'on enregistre avec un grand plaisir. Alors, c'est la chaîne YouTube. Sur YouTube. Bon, bah, écoutez, on va commencer avant de parler avec Franck. On va l'écouter simplement. Alors, c'est un Normand, donc il est normal que son premier morceau, ça soit Mort Normandie. Et t'habites où? C'est pas le morceau qu'on connaît, hein. Si. T'habites où en Normandie? Alors, exactement, c'est Aubervilliers-la-Campagne. Ça se situe entre Le Havre et Rouen, à 30 km du Havre et 60 de Rouen, pas loin du pont de Tancarville. Quand vous êtes sur la route principale, à un moment, vous arrivez, vous tournez légèrement à droite dans la route et puis vous arrivez chez lui directement. Voilà. Il connaît bien le barbecue, Jacques. À côté du chêne, dans Louville-Bellefosse. Alors, un petit peu après. Tu vois, je vois un peu, d'accord, ok. Je suis à 10 km d'Allouville. Très bien. Mais Alors, on écoute. Ma Normandie, on connaît tous. Non. Moi, je te pensais, je vais revoir ma Normandie, tu dis. Ben, c'est ça. Mais oui, c'est ça, mon cher. Allons-y. C'est un petit arrangement que j'ai fait dessus, vous allez voir. Bon, allons-y. Alors, je vais revoir ma Normandie, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Joué par M. Franck Villain. On y va. Voilà. Thank you.
Ah ouais, là, franchement, c'est bien. Hein, c'est modernisé et tout. Hein, c'est modernisé, hein, c'est un arrangement, voilà. Tu sais quoi, ça me rappelle le film de Rabbi Jacob, quand il chantait « J'irai revoir ma Normandie dans le taxi américain ». Oui, oui. Die, 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 die. Bon, Franck, on va pas parler de à quel âge tu as commencé l'accordéon, tout ça, on s'en fout. Non. On sait que tu as commencé très jeune comme tout le monde, grâce parce que tes parents voulaient voir moi-même. Par contre, c'est un super orchestre aussi, un peu, et tu peux me dire comment c'est la composition un peu de cet orchestre qu'on peut voir régulièrement. Alors, la composition de l'orchestre, donc évidemment, moi je suis accordéoniste et je joue du bandoneon, mais je suis aussi clavier, donc pianiste, donc c'est tout ça. J'ai notre chanteuse que vous connaissez, que vous voyez certainement régulièrement à la télé avec moi, qui s'appelle Mélodie. Oui. J'ai deux cuivres de sax trompette, le saxophoniste il s'appelle Thierry et le trompettiste Patrick. J'ai un batteur qui s'appelle Yannick et guitariste Didier. Voilà, on est six. Voilà, et c'est un très bon orchestre. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis assez lié avec Franck parce que quand j'ai des affaires à Paris qui durent un peu plusieurs jours de suite pour gagner un peu, pour s'embêter avec tout le matériel, c'est Franck avec une partie de ses musiciens qui vient me donner un coup de main et on travaille ensemble. Et je reconnais que ça me donne un bon coup de main et en plus on a toujours un grand plaisir. Enfin moi personnellement, j'ai un grand plaisir de jouer avec toi et avec tous tes gars. Voilà. Tout le monde parce que c'est toujours dans la convivialité et puis musicale. Ouais. C'est super. Et le soir on se fait des bonnes bouffes donc c'est quand même assez. Allez, hop, c'est reparti. Voilà. Ouais. Parce que oui, parce que la particularité, si vous regardez tous les CD, t'en as fait combien des CD? T'en sors un tous les mois, toi? 11. Combien? 11. Et j'ai un mon préparation. Là. Voilà, il y a une majorité de titres qui est un peu en rapport avec, comment dirais-je, la gastronomie. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Il y en a même un spécial qui vous évite justement de faire des excès, mais on en parlera plus tard. En attendant, on va écouter un passe-au-double. Bah, il avait fait un passe-au-double avec El Plat du Jour. El Plat du Jour, oui, j'avais fait ça avec, j'avais signé ça avec Pierre Péribois. On génial. Est dans le restaurant, puis voilà. Alors, on va écouter en attendant le Trio del Sol. Voilà. Ah, alors, Trio del Sol, moi, je l'ai connu mais grâce à toi et grâce à Franck qui était sur. Il a joué à WEO, il a joué aussi à. T'as vu 8 Mont Blanc aussi. Tu l'as joué. Oui, je l'ai passé avec Jean-Robert, exact. Voilà. Et en plus, c'est un morceau que tu as fait toi-même ou c'est pas un morceau qu'il y avait avec James Hosser, non? On a cause... Voilà, j'ai fait ça avec James Hosser et Thierry Bonnefous. Ouais, magnifique. Trio del Sol. Tout à fait. Voilà.
Voilà, Trio del Sol. Ouais. Puisqu'on parle d'Espagne, je sais que tu fais partie toujours toi aussi de la bande avec Jérôme Richard, de tous ces voyages que vous faites à l'Orée del Mar. Oui. Avec des petites visites chez Paco de temps en temps. Ah, obligatoire. Et donc, cette année, au mois de mai, bien sûr, ça a été. Tu devais y aller quand, toi, là, au mois de mai? Non, moi, je ne faisais pas l'Espagne cette année, parce que l'année dernière, on a fait l'Autriche, qui a super bien fonctionné. Et là, on doit faire. La Normandie. Non, pas la Normandie, l'Italie, à Venise au mois d'octobre, en espérant que ça tienne. On verra bien. On verra bien. Bon, ben écoute, en attendant, si tu veux pas aller à Venise au mois d'octobre, tu verras peut-être nous rejoindre dans le Gers, ça fera moins loin. Tu viendras me voir comme ça, écoute, tu viendras me voir, t'es pas allé jusque là pour l'instant. Ah non, mais ça peut, moi, partout, c'est pas compliqué, partout. C'est quoi ta limite, t'es allé où vraiment dans le sud? Il fait partout lui. En France? Ouais. J'ai fait toute la France, jusqu'en Corse, partout. Mais pas dans le sud-ouest? Non, non. Ouf. Oui, je suis du côté de Perpignan, mais il y a longtemps. Ouais, Perpignan, oui, d'accord, c'est de l'autre côté, oui. Mais pas côté Toulouse, tout ça, non. Non, c'est arrivé, j'étais un peu, pas jusqu'à Toulouse, mais j'ai été à, je ne me rappelle plus les noms, j'étais à côté de chez Thierry Bonnefous pour un gala à côté de Rodez, et un autre truc, c'était dans le 82, mais je ne sais plus, je ne me rappelle plus de la ville. Enfin bon. Mais par contre, dans le centre de la France, tu descends souvent chez Mougins, toi, dans le Vertu. Oui. Et je vais peut-être sûrement y aller, peut-être le mois prochain ou en fin de mois, là, parce que j'ai des. Ça ne sera pas possible. Oui, parce que c'est pour le travail et ce sera pour le midi, pour essayer des nouveaux systèmes midi. Donc, on en profitera tant que justement, il n'y aura personne. Alors, t'as là aussi, bon, on va parler quand même un peu d'elle parce que je sais qu'elle est régulièrement avec toi, un peu, elle est partout, tu te balades avec Mélodie, c'est ça? Mélodie, oui. Et je dis, on a programmé des morceaux avec Mélodie, je suppose. Absolument, oui, on les a programmés en même temps avec les vidéos, on a fait un medley de deux fois de vidéos, elle chante en plus avec Franck. Voilà. Donc, ça fait combien d'années qu'elle travaille avec toi? Ça doit faire 6 ans maintenant. Ah bah c'est bien, tu vois, donc fidèle aussi à tous tes musiciens comme toi, d'ailleurs, tu es fidèle avec tout le monde. On va t'écouter dans un morceau qui s'appelle Mambo Mambo. Voilà, donc c'est un mambo. Alors vous poussez les chaises et on danse le mambo. Vas-y, c'est ta danse préférée, JD, je sais, mambo. Vas-y, allez, c'est parti.
qu'est-ce que je voulais te dire? Moi, à part l'Espagne, je sais que tu fais beaucoup les télévisions aussi, bien sûr. On te voit régulièrement sur un, deux, trois musettes parce que tu fais partie avec Frédéric, avec Jérôme, etc., des piliers de l'émission et, tout ce qui se rattache à l'émission. C'est ça, Pierre-Yves Lombard et tout le monde, quoi. Et ça, ça a valu un nombre incalculable de compositions qui ont été réalisées grâce à vous. Tout à fait. Et moi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, je te remercie parce que j'ai participé, j'ai plusieurs enregistrements et tous les morceaux, tous les playbacks ou tous les enregistrements ont été faits dans ton studio pour passer à la télé. Je te remercie personnellement, ça m'a fait bien plaisir. De rien, mais on recommence quand tu veux. Tu m'as jamais payé, mais c'est pas grave. Non, je dis une bêtise, attention, ne croyez pas tout ce que je raconte non plus. Hein, oui, bah non. Une fois, on nous a fait couper. J'ai dit des bêtises, on nous a fait couper. Hein. On va pas recommencer 10 fois l'histoire. Hein. Donc, c'est des morceaux qui sont faits en collaboration en général avec Jérôme. Oui, tout à fait. Ouais, et avec Pierre-Yves. Et Pierre-Yves aussi. Pierre-Yves aussi, oui. Voilà. Alors, Quitch, on a JD, parce que c'est lui qui choisit les morceaux, parce que moi, je te connais trop, donc j'aurais toujours tendance à marquer un peu. Certain, je l'ai laissé un peu choisir. Ouais, tu as choisi, mon petit. Qui je fasse, parce que comme je dis, comme d'habitude, j'aime bien les remontées et les descentes de notes. Mais et oui, la valse, c'est tellement magnifique pour ça, et voilà. Oui. Et puis il y a une histoire avec cette. Ah ben vas-y, raconte-nous un peu. C'est vieux, il y a bien une vingtaine d'années, j'étais chez Jeannot Perret, vous savez, le plus grand collectionneur au monde d'accordéon, qui est à côté de Chambéry. Et j'étais avec lui et Jean Demeaux, qui est malheureusement décédé. Oui. On était donc chez lui et on s'est retrouvés, on faisait la foire pour pas changer. Et la femme de Chantal de Jeannot Perret, on mangeait chez elle, avait préparé une quiche lorraine. Sauf que Jeannot avait un problème chez lui, il n'y avait que la prise de sa gazinière qui fonctionnait, tout le reste, il n'y avait plus de courant dans les prises. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il n'y avait que le mini-four qui pouvait fonctionner. Mais quand il a fallu faire rentrer un grand plat de quiche dans le mini-four, ça a été en biais. Donc ça a coulé sur le lave-vaisselle, ça a coulé partout, et on a fait un morceau qui s'appelle Kijval, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Bon. Donc voilà. Bravo, on écoute alors Kijval, on y va, c'est parti. C'est parti. Thank you.
Bon, alors la prochaine fois, tu feras l'Ardon Tcha-Tcha, voilà. Ah bah ça, je peux. Tu peux le faire. Pourquoi pas, tiens, ça me donne une idée, on va le faire. L'Ardon Tcha-Tcha, oui. Bah oui, je sais pas, jambon, mambo, l'Ardon Tcha-Tcha. On peut. On peut y aller, là. Ah, on peut y aller. Ah, tu vois. Mon petit Franck, s'il n'y avait pas eu ces événements, bien sûr, un peu perturbateurs, qui nous a perturbés éventuellement, puis vous les danseurs également, tu devais te promener en France, tu devais faire quoi au mois de mai, par exemple, au mois de juin ? Au mois de mai, j'avais pas mal de... Alors, je ne sais plus où, il faudrait que je reprenne le calendrier, mais enfin, j'allais un peu partout, j'allais sur la région parisienne, j'allais pas mal en Normandie, j'avais des trucs de prévus à Tulle... Il n'était pas prévu que tu redescendes dans le sud. Non, je ne crois pas. Non, je devais redescendre. Là, je suis redescendu pour chercher les musiciens. Oui, oui. Je redescends dans le sud au mois d'octobre. Au décembre. Oui, c'est ça. Roquebrune-sur-Argens. Voilà. Roquebrune-sur-Argens. Alors, c'est une ville où moi, je vais jouer régulièrement s'il y a des endroits là-bas. J'espère qu'il ne pleuvra pas parce qu'il y a souvent des inondations. L'année dernière, c'est ce qu'il y a eu, mais bon, on verra bien. Mais moi, je suis habitué à l'appuyer. On aura la chance, j'espère, de te voir dans les studios de RCB. On va découvrir un peu, parce que je pense qu'on ne l'a pas, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez découvrir dans une vidéo, puisque là, on va vous passer tout un montage, monsieur. Parce que on s'est permis un peu je me suis permis un petit peu de rentrer dans ton site un petit peu de l'orchestre qui est très très bien fait, l'orchestre Franck Villain. Vous pouvez y aller parce que dessus vous avez toutes les vidéos que Il y a même. Voilà. Même les partitions que vous entendez, les partitions également, le calendrier francvillain.com, vous avez tout, voilà, le détail des CD aussi, tout est marqué. Et t'as même une chaîne YouTube, parce qu'on peut parler aussi orchestre Franck Villain, et dessus il y a toutes les vidéos. Donc j'ai un peu pioché dedans, et enfin je me suis fait un petit medley où on va retrouver bien sûr Mélodie et puis la chanteuse. Alors on va écouter Samba Chamaï, Duro Soleil et Cumbia Panaméenne. Voilà, donc tout ça c'est des extraits alors, sur le titre. Tout ça c'est des extraits, exactement. Voilà, ce sont des extraits. Voilà. Eh bien avec plaisir. Allons-y. Eh bien on y va, c'est parti. La place dans le lit, je n'ai pas supporté. On s'est tant aimé, on s'est câliné avant de se déchirer. Tout s'est compliqué, c'est détérioré, on s'est chamaillé. Mesdames et messieurs, en place pour le coup duro. Coup dur au soleil, plus rien n'est pareil. Ma tournée la tête.
Ça, c'est un morceau que j'adore, qu'on va vous passer. Et d'ailleurs, tu sais qu'avec le spectacle que tu as vu, d'ailleurs, Franck, avec Corinne, le Coco Show, dans tous les tableaux, tu l'as pas vu parce qu'on ne l'a pas encore fini de le monter, mais elle a monté un tableau sur justement le morceau qu'on va entendre qui s'appelle Tant pis cholestérol. C'est ça. C'est ça même. Donc, c'est quoi encore ce bide? Ça, c'est quoi encore ça? C'est un truc, c'est super. On est en train de monter un truc humoristique là-dessus, avec du saucisson et tout, et tout, et tout, et tout, qui va se relier un peu au sketch que tu avais vu de la vieille, que tu as vu un peu au mois Oui, parce que le cholestérol, à chaque fois que je vais voir mon médecin qui est un ami, il me parle toujours que du cholestérol et des prises de sang. Alors un jour, j'en ai eu marre, parce que forcément, j'explose l'auto, comme tout le monde, comme vous tous. Hein. Non, c'est ça, oui. Je m'excuse. Et je vais expliquer que quand on finissait un bal ou un thé dansant, l'organisateur, il nous faisait rarement des andivalos à la fin du spectacle. Donc, j'ai voulu qu'il s'en rende bien compte. Je lui ai fait une chanson. C'est lui qui a été le premier à la recevoir. Comme ça, maintenant, il ne fait plus l'ordonnance. J'y vais pas. Voilà. Donc, nous allons donc écouter Tant pis cholestérol. Tant pis cholestérol. Je ferai voilà. Un truc sur le diabète un autre jour. On verra bien. On verra bien. Allons-y. Voilà. Allons-y. Tant pis cholestérol. Composition de M. Franck Villain. Trouver ces titres-là, franchement, comment tu fais? Tu dors pas la nuit ou quoi? Comment tu fais? En ce moment, je dors pas beaucoup, mais bon. c'était à cause du médecin, quoi. Ça fait 3 ans qu'il veut que je fasse une prise de sang.
La dernière que j'ai faite, alors je sais pas bien, hein, les médecins qui nous regardent vont forcément m'envoyer des messages pour me complimenter. La dernière que j'ai faite, c'était lors du mariage donc avec ma femme, c'était en 2000. Ça fait 20 ans que je... Oui, mais moi, je vais te dire la vérité. Je sais pourquoi tu ne veux pas faire ça. Parce que bon, c'est facile de dire « oui, mais moi, non, non ». C'est parce que tu as peur. Tu as peur de la piqûre. Ah, la piqûre, mon Eh bien, il n'est pas le seul. Ouais. Oui, c'est ça le résultat. Mais moi non plus. J'aime pas la piqûre non plus. Oh là là. C'est surtout le résultat. Surtout si on vient de faire 8 jours dans le sud avec Jacques Arnaud, on pourra faire la prise de sang. Non. Regarde, tu fais... Non, c'est pas pire chez moi que chez toi. Franck, tu fais un bon ston la fois prochaine, tu fais piqûre blues. Ah ben pourquoi pas. Hein, ça fait... moi je te donne des tips. Ouais, mais ça fait penser un peu. Non, le blues du dentiste, c'est bon. Oui, oui. Ouais, ouais. Bon. Il va être accusé de plagiat. Oui, bon. Par contre, Franck, je vais te poser une question pour faire remonter un peu tes souvenirs. Oui. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était avant l'an 2000, je te dis, tu n'étais pas marié. J'ai la photo dans mon bureau, je ne te la montrerai pas. Si, montre. Mais réfléchis bien. Est-ce qu'on n'était que tous les deux? Non, il y avait d'autres personnes. Il y en avait peut-être d'autres, des mecs qu'on ne voit plus d'ailleurs, entre parenthèses. Ouais. On était sur un stand. Sur un stand, oui. Donc c'était une foire. Pas indiqué, s'il y a un stand, ce n'est pas une fête foraine. La foire de Paris? Je crois que c'était la foire de Paris, oui. Ah, c'était pas le salon de la musique, non? Non, je crois que c'est la foire de Paris. Mais c'était pas sur le stand du petit Robinson. Écoute, honnêtement, je sais plus. C'était sur un stand d'un grand restaurant dans la région de Charenton, par là, qui faisait des trucs brésiliens. Ouais. Et tu étais là, il y avait Michel Varenne, il y avait toi, il y avait Michel Polo, il y avait Corinne Rousselet, etc. Et tu étais venu aussi. Et j'ai même la photo, je te la remontrerai, je ne l'ai pas ressortie là, mais il faudrait que je la sorte. Ouais, non, je ne me rappelle plus bien de... Et ça date, il y a quoi, il y a 25 ans? Ah bah là, mon petit gars, là, histoire bien. C'était, écoute, moi j'ai quitté la région parisienne, c'était en 1990. Bon, j'ai marié mon fils en 93 par là, 1992. 27 ans, 28 ans. Eh oui, mais t'as pas changé, il n'y en a pas. Du coup, on va écouter la samba du Balmuzet, ça me ferait bien plaisir, si vous pouvez me passer ça, monsieur, la samba du Balmuzet. Quand vous voulez. Allez.
Voilà, super, super samba du bal Musette. J'ai dansé un peu et j'en suis un peu essoufflé. Vous m'en excuserez. C'est normal. Donc maintenant, parce qu'on aime bien parler, mais on aime bien t'écouter jouer parce que, et te voir, parce que c'est toujours attractif et c'est bien de voir Mélodie aussi, tout le monde. Bien on sûr. Va refaire mon petit JD a choisi encore un medley vidéo avec les Madison, de Cha-Cha et un Fox. Alors, on a Off Madison. Oui. On a Cha-Cha Feeling. Et on a, alors ça aussi c'est encore un titre, je ne sais pas d'où tu les sors cela. Thorox Fox. Alors, Torox, c'est quoi ça? Si, c'est ça, parce que Torox, c'est une ville où je vais depuis plus de 20 ans en Andalousie, à côté de, alors si je le dis à la française, à côté de Nerja, ils disent Néram, à côté de Nerja, qui se situe entre Malaga et Almeria. Sur la côte d'accord, voilà. Ok. Et c'est la ville où je vais, ça fait 20 ans que j'y vais, donc on a fait un Fox et ça s'appelle Torox Fox. Et sur les extraits vidéo que vous allez voir, là, c'était avec tout l'orchestre, mais y compris avec mes enfants, puisqu'il y aura mon fils au piano, ma fille qui joue aussi de la trompette et du trombone, qui sera au trombone, et le guitariste et Mélodie qui vont chanter chacun leur tour. Oui, eh bien, on y va, c'est parti. On parlera avec les enfants après, j'allais oublier. Voilà. Allez, on y va, medley, c'est parti. Thank you.
en vacances en Espagne avec sa femme et ses enfants. Quelle joie de se balader partout, surtout quand on a tout son temps. On se gâte de tapas, c'est pas et là, quel régal. Les petits bars nous servent la sangria. Rien n'est plus sympa que de se promener à Almeria et Malaga et de se baigner à Gibraltar dans la mer Méditerranée. Le soleil sur nous est omniprésent, quel régal. Tous les soirs on va à Torrent danser le phare. Alors on parlait de l'Espagne, alors tu t'es baladé aussi dans d'autres pays, il paraît. Bah oui, alors pratiquement pour toute l'Europe à peu près. Hein. Ah oui, peut-être à part dans les nord, le pays scandinave un peu moins. Sinon, j'ai fait aussi pas mal l'Asie, la Thaïlande, la Malaisie deux fois, Singapour deux fois aussi. Mais qui c'est qui te recrute là-bas ? C'est des gens qui sont sur place ou tu te... Là, je travaillais avec l'Alliance française. Ah, voilà, ok, d'accord. Je avec l'Alliance française et l'ambassadeur du coin. Et donc, est-ce que tu fais toujours la croisière de l'accordéon avec... Toujours. Tous les ans, là on repartira au mois de novembre sur le plus gros de la flotte costale, le Smeralda, que vous voyez de temps en temps à la télévision. Là. Ah ouais, ils ont fait un medley, ils ont fait 26 minutes de best-of voilà. Cette année-là. J'ai bien vu, donc, j'ai vu comment c'était, c'est génial quand même. Hein. Voilà. Ouais, oui, c'est pas mal. Donc on va repartir, donc Marseille, je crois que c'est Barcelone, les Baléares, on va descendre en Sicile, Rome, et puis retour Marseille au mois de novembre. Vous en faites pas, ça va ? C'est combien ? C'est 15 jours ? Combien c'est la croisière ? 8 ou 10 jours, je ne sais plus. 10 jours. Les accordéonistes tournent. Hein, les accordéonistes. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'après, on est fatigué. Et puis, quand on a goûté tous les cocktails, on ne sait plus quoi prendre. Donc à chaque escale, il y a un changement de personnel. C'est ça. Donc, que je veux dire, si on parle de tes enfants, je sais que tu as un garçon, une fille. Mmh, oui. Et j'avais été un peu impressionné d'ailleurs par ta fille apprend la trompette, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, trompette, bugle, saxo. Oui. On a passé un soir avec mon trompettiste qui était venu avec nous, qui était prof de machin aussi. Oui. Et j'étais assez surpris de voir l'évolution de ta fille à la trompette, c'était quelque chose de merveilleux. Moi, j'en garde un bon souvenir toujours. Ouais, ouais, et ton fils, lui, il est quoi? Ton fils, moins quand il même. Il joue de l'accordéon et du clavier un peu. Ah bon, voilà, comme son papa. Voilà, c'est ça. Donc, lui, c'est pour le plaisir, parce qu'il veut être boulanger plus tard, donc il garde ça pour le plaisir, c'est tout. Il a raison, d'ailleurs. Il se débrouille bien. Et ma fille, elle veut en faire son métier, peut-être plus dans le professorat, qu'on verra ce que ça donnera. Et pour l'instant, elle est au conservatoire de Caen, avec des super profs, et puis ça marche vraiment. Parce que des filles à la trompette, il n'y en a pas beaucoup, quand même. Hein. Non, il y en a un, quand même, il y en a un. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est pas comme l'accordéon où l'accordéon est joué beaucoup, mais c'est pas un voilà, je me relâche encore, je vais me faire des amis. Mais vas-y, lâche-toi. J'ai toujours dit que l'accordéon c'était pas esthétiquement, c'est pas beau pour une femme, ça cache les plus belles parties. Ah bah oui, c'est sûr que nous on a pas. Ça dépend. Hein. Quoi, c'est parce que ça dépend. Oh. Ça part de là, ça va là, c'est le plus beau. Oui. Bah oui. Ou alors tu la retournes et il faut la regarder de dos, mais bon, autrement, tu vois ce que je veux dire, il n'y en a quand même pas beaucoup qui jouent sur scène de dos. Et quand tu regardes sur un air d'accordéon, tu as M. Langer qui se régale quand même pour faire des gros plans quand même de temps en temps, hein. Crois-moi. Non, moi je ne regarde pas, donc j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, on a du travail. Alors on va écouter, alors ça aussi, bon, bah, la polka, vous savez ce que j'en pense, donc oui. Je ne voudrais pas en faire un grand, j'ai horreur de... Ça fera la troisième fois, tu peux toujours. Écoutez-moi. Et à chaque coup que j'invite quelqu'un, il me joue des polkas. Ils savent que j'aime pas ça. Vous le faites exprès ? C'est exprès ? Ils vont m'énerver ? Ah, moi, c'est pas moi qui ai choisi les morceaux. C'est pas la polka ? C'est pour m'énerver. Bon. Bah, écoutez, pourquoi t'aimes pas la polka ? On écoute la polka des anciens. We'll be right back.
je sais que donc tu vas souvent, tu voyages beaucoup. Mm-hmm. La Calabre. Ah, c'est le sud de l'Italie, ça, avec la Tarentelle. Et alors, bah, à chaque fois qu'on y va. Et l'année dernière, vous avez été où ? On s'est arrêté à Rome. À Rome, et puis, je ne sais plus. Non, c'est l'année encore d'avant. L'année dernière, on est allé à Lisbonne, donc de l'autre côté. Donc, Franck, si on veut voir tes vidéos, tu peux nous donner l'adresse de ton site ? Alors, c'est facile, 3 W. Ah bah, déjà, ton site, ouais. Le site, c'est www.francvillain.com. Et là-dessus, vous avez tout, les vidéos, les disques, vous avez la boutique, vous avez les partitions. Si vous voulez retrouver toutes les partitions qu'on a entendues, vous pouvez vous servir. C'est classé par genre. Vous avez le calendrier, vous avez l'actualité, vous avez tout. Et sinon, la chaîne... www.francvillain, tout attaché. Franck, c'est quand Villain avec un seul L, hein, V-I-L-I-N. Ouais, ça suffit déjà. .com. Là-dessus, vous pouvez tout voir. Après, vous avez la chaîne YouTube Orchestre Franck Villain. Voilà. Et dessus, voilà. Vous avez toutes les vidéos, tous les extraits qu'on vous passe maintenant. Exactement. Et puis, quelques d'autres, des directs aussi, hein, dans des. Voilà. Dans des tes dansants, dans les trucs que tu as fait, voilà. À droite à gauche. Voilà. Puis des fois, ce sont des gens qui me les envoient. Alors, ouais, voilà, exactement. Voilà. T'as un bon petit réseau quand même. Hein. Voilà, oui, voilà. Ouais, sympa. Alors, cette émission qui passe sur les antennes de RCB 96.2 pour notre région, sachez que vous pouvez l'écouter sur Internet, www.rcbradio.com. Voilà. www.rcbradio.com. Voilà, ça, l'émission Accordéon Passion, tous les mercredis matins, de 10h à 11h, animée par votre fidèle serviteur et maintenant accompagné grâce à mon ami JD pour vous faire des vidéos. Super. Avec les invités. Et là-dessus, c'est super. Quelque chose de formidable. Bientôt, d'ailleurs, la prochaine émission, nous avons invité. Jean-Marc, je te parle du président. Ah. Les accordéonistes, ça peut changer d'un jour à l'autre, ça dépend de leur programme. Okay. Mais monsieur Bernard Testeuil qui viendra sera présent pour la prochaine émission où normalement nous devons accueillir monsieur Jean-Marc Torchi qui lui aussi anime une émission de télévision d'accordéon tous les dimanches matins. C'est l'accordéon qui vous réveille. Voilà. D'accord. Eh bien, avant de se quitter, on va tout de suite écouter Rendez-vous en Calabre. S'il vous plaît. C'est parti, on est en Italie. Si.
va terminer comme d'habitude. Voilà, Julien, non, attends, je voulais donner, j'allais dire une petite bêtise. Le nom de l'émission de M. Jean-Marc Torchi tous les dimanches matins, c'est l'accordéon qui nous invite. Voilà. D'accord, très bien. D'accord, tous les dimanches matins sur les antennes de RCB Radio ou que vous pouvez écouter également sur Internet. On va, bah écoute, mon petit Franck, j'étais content de te recevoir, même si on est un peu éloigné. J'espère te revoir bientôt. Normalement, on avait un projet ensemble au mois de mai à Paris, mais pour le moment, ça a été reporté. On va bientôt se revoir, on va se voir prochainement. Et normalement, dans les enregistrements où j'ai été invité, l'un, deux, trois musettes, au mois de juillet, je crois. Le juin. Je crois que c'est juin. Enfin, il y a trois séries, voilà. Donc je ne sais plus. On verra. Ouais. Alors, comme on fait d'habitude pour la fin de l'émission, on va demander à Franck un bonus. C'est-à-dire que c'est toi qui vas nous dire le titre que tu as envie qu'on l'on écoute maintenant pour terminer. Alors, comme on était dans les titres marrants, on va sortir de la gastronomie et on va aller faire un petit tour avec un titre qui s'appelle La boîte à plaisir. Alors raconte-nous un peu. Alors attention, j'ai fait ça avec Jean-Louis Noton et Frédéric Buch. Vous verrez les paroles, vous écouterez. Si jamais je ne parle, évidemment, la boîte à plaisir chez nous, ce n'est que l'accordéon. On est bien d'accord. Vous ne voyez pas de sous-entendu. Et c'est chanté par Mélodie. Et c'est chanté par Mélodie. Bravo. Voilà. Bon, Franck, écoute, on va se quitter parce que je pense que ça va se terminer. J'espère que tu as passé un bon moment. Nous, on te remercie de ta présence et du temps que tu nous as consacré. Moi, ça a été un réel plaisir. Tout le bonheur a été pour moi. J'espère qu'il a été également pour tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et au plaisir de commencer. Bon, j'étais très content de te revoir, mon cher Franck, en tout cas. Ah ouais, moi aussi, parce que c'est pareil. Ça fait une bonne vingtaine. Ouais, facilement, facile. Ouais. Facile. Et on espère te revoir bientôt dans la région, en attendant. Avec grand plaisir. Paris. JD, merci encore. Merci Jacques, merci Franck. Salut. À bientôt. Merci avec, ciao. Salut Franck. Salut les amis, à la semaine prochaine. À bientôt.
Tuileries. Elle m'est fidèle, souvent soumise, jusqu'à l'épuisement je la tire. Tout ça pour votre plaisir. Un jour viendra où la fatigue aura raison de ses délires. Essoufflée, vidée, épuisée, retrouvera sa valise. La boîte à plaisir, c'est ça. Je la prends tout contre moi. Je veux la sentir mieux que ça. Je veux y mettre mes doigts. La boîte à plaisir, c'est ça. Un petit coup par-ci par-là. J'ai encore envie de ça. Vas-y, remets-moi ça. La boîte à plaisir, c'est ça. Un petit coup par-ci par-là.